Je pense que c'est une juste revendication, d'autant plus que nous vivons dans une période très difficile depuis une quinzaine d'années maintenant, et qu'il est important de répartir les richesses. Certains nagent dans l'or, alors que d'autres éprouvent des difficultés à surnager pour pouvoir vivre en matière de nourriture, de logement, d'accès à l'eau et d'accès aux soins. Et donc, cette revendication est une revendication tout à fait justifiée et qu'il faudrait appliquer au plus tôt, parce que quand on parle de gens en difficulté, il faut aussi ne pas oublier qu'ils souffrent énormément. Et est-ce que vous pensez que c'est réaliste, la taxe des millionnaires? Ça dépend de la volonté politique qu'on a de l'appliquer. Il est clair que du côté du gouvernement actuel, tant sur le plan belge que sur le plan européen, et voire sur le plan mondial, eh bien, tous ceux qui protègent les riches et qui sont au gouvernement aujourd'hui n'ont réellement pas d'intérêt à pouvoir le faire. Et donc, je crois que quand les gouvernements auront compris que c'est l'intérêt du peuple qu'il faut servir et pas l'intérêt d'un certain nombre de nantis, eh bien, je pense que les choses pourront changer, comme d'ailleurs elles changent déjà au niveau de l'Amérique latine, où l'on voit une volonté politique assez importante pour que les pauvres, évidemment, puissent avoir leur dû. Et qu'est-ce que vous feriez avec cet argent? Alors, je pense que les problèmes sont immenses. Alors, d'une part, si on se place au niveau belge ou si on se place sur le plan mondial. Alors, au niveau belge, je pense qu'on entend suffisamment parler des difficultés qu'a la sécurité sociale. Et je crois que la première chose à faire, c'est évidemment de renflouer l'ensemble des déficits que connaît aujourd'hui la sécurité sociale, d'autant plus que certains partis politiques veulent démolir la sécurité sociale. Ça, c'est une chose. Il y a aussi tout l'accès aux services. Il y a un certain nombre de services qui ne sont pas ou plus rendus à leur population, et notamment la population la plus nantie, la moins nantie, pardon, et notamment en matière de logement, d'éducation, de soins de santé. Et cela, ça paraît réellement important de pouvoir le faire. Il suffit de se promener dans un certain nombre de villes de la Belgique pour se rendre compte que la nécessité est réellement très grande de pouvoir le faire au plus tôt.